J'ai besoin qu'on m'excuse. Oui, car je suis ignorant. Mon peuple meurt, faute de connaissances. Redites-moi l'histoire. Puisque l'apprentissage est la mère, la répétition est la mère de l'apprentissage. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Les esclaves, comment m'étais esclave et comment je n'ai aujourd'hui à yo fait m'vinnon nouvelle forme esclave. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire en passant par l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. C'est ce que nous allons considérer. En ce moment, Seigneur, octroie-nous une double portion du Saint-Esprit des langues de feu pour annoncer avec force ces derniers messages. Pardonne-nous de tous nos péchés et accepte-nous. Nous t'en prions, non en vertu de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui a été coulé pour lui sur le bois infamé du calvaire, à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Merci. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. C'est l'histoire. Redites-moi l'histoire. Un praticien. Praticien. Un praticien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du latin. Patricius. Patricius, du latin, dérivé de pater. Pater familia. Qui a le droit de vie ou de mort sur un esclave. Pater familia, ce qu'on a aujourd'hui. Regardez bien, et toujours fait une sorte de parallélisme entre les différentes couches de société dans le droit romain antique et aujourd'hui avec une société moderne, soit avec une communauté, soit dans l'église, soit dans la politique, soit à travers différentes couches sociales. Et un praticien, dans le droit romain, un praticien, P-A-T-R-I-C-I-E-N, un praticien dérivé de latin pater, qui est père, pater qui est père ou encore qui signifie père. C'est là où on joigne le principe pater familia. Père de famille. Mais en d'autres termes, quand on a des esclaves comme pater familia, on a des droits de vie ou de mort sur les esclaves, puisque les esclaves sont considérés comme des meubles ou comme des objets et parallélisme avec le code noir. OK, qu'on a fait en Haïti. Très bien. Et durant la période romaine par sa naissance, d'où un praticien, c'est un citoyen romain par sa naissance. Pour être citoyen romain, soit héréditaire, comme nous avons dit, héréditaire, par filiation, héréditaire, mère et père, citoyen romain, par filiation et par adoption, ou encore filiation, adoption, filiation, adoption, mère et père et l'enfant peut-être. Non, comme si l'enfant héréditaire, c'est-à-dire du même groupe sanguin, etc. Mais c'est par un jugement juridique qu'on devient fils adoptif ou encore par filiation adoptive. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes par adoption. On est citoyen romain, héréditaire, premièrement, filiation, deuxièmement, et adoption, troisièmement. Et à partir de là, on est citoyen romain. D'où un praticien est un citoyen romain, héréditaire, est un citoyen romain, héréditaire, de haut rang de la société. De haut rang de la société, comme on peut considérer à l'heure actuelle un de haut rang de la société. On distingue un praticien par rapport, par opposition aux autres. D'où cela revient à dire les
ou encore les plébéiens. Les plébéiens aussi étaient un citoyen romain, mais fait partie de la population, mon nan peuple là. Et tandis que praticien, c'est mon noblesse là, mon guinan rouran. Tous les deux, c'est citoyens romains, yon c'est peuple, sa peuple là, citoyen romain, yon le plébéien, l'autre ali même, lycée praticien, lycée citoyen romain, li même li nan rang supérieur là. Ok, c'est la distinction entre un praticien, citoyen romain, plébéien, citoyen romain, plébéien, la population ou encore des gens pauvres, et tandis que les praticiens, ce sont des, ou encore patricius du latin, ou encore pater, père, ce sont des gens, des hauts rangs de la société. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des hauts rangs de la société. On a la distinction entre des praticiens pour faire la distinction des citoyens romains entre un praticien et un plébéien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on pourrait par synonyme ajouter, quand on dit patricien, on dit gens de haute bourgeoisie, gens de haut rang, gens aristocrates, gens oligarques, groupe de personnes de haut rang. On a ça aussi. Dans la société romaine, dans un premier temps, je considère un praticien, patricius, pater, père, gens de haut rang, de grands dignitaires, des gens riches, cultivés, élites, ce sont des patriciens. Et tandis que la plèbe, plébéien, un citoyen romain aussi, mais lui, il est pauvre, ou encore gens de la classe moyenne. Comme aujourd'hui, on n'a pas de classe moyenne, surtout en Haïti. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. La classe moyenne et la classe, nous sommes égaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les plébéiens, gens pauvres de la société. C'est pour dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par définition, plèbe, plébis, plèbe ou plébis est une partie du peuple ou encore populus ou encore partie du peuple ou encore partie de la population romaine, c'est-à-dire des citoyens romains aussi qui étaient distingués des esclaves. D'où un citoyen romain, partie de la population, la plèbe, plèbe ou plébis, était un citoyen romain, mais non un esclave, mais fait partie de populus, ou encore fait partie de la population. Or, dans langage courant, le peuple, la plèbe, lui désigne le peuple par opposition aux élites, par opposition aux oligarques, par opposition aux aristocrates, par opposition à la haute bourgeoisie, par opposition à des gens riches qui, eux, étaient des praticiens, patricius du latin, d'où deux sortes de citoyens. Les plébéiens et les praticiens. Tous les hommes sont libres ou égaux. Deux groupes de catégories dans la société romaine qu'on a considérées. Regardez, pouvoir à l'Église. Aujourd'hui, si on n'a pas une nouvelle forme de plébéiens, si on n'a pas une nouvelle forme des praticiens dans cette société,
des gens oligarques, des gens riches, des gens aristocrates, de la haute bourgeoisie et des autres qui n'étaient rien, tout simplement un simple citoyen qui doit payer des taxes pour faire des petits boulots. On n'a pas d'autre. Merci. Et tout cela, c'est un parallélisme avec moi de février, qui est le mois des esclaves, l'histoire des Noirs. Et bien, c'est ce que nous allons considérer. Comme on a oublié Henriette Tubman, comme on a oublié ces journées, toutes qui font partie de la généalogie, surtout ces journées, toutes qui étaient l'ami de Madame White, l'ami de président Abraham Lincoln, prédicatrice, discours sur droit des femmes à la convention Ohio à Akron en 1851, abolitionniste, militante des droits de la femme, millériste, prédicatrice, mais elle ne sait ni lire, ni écrire. Aujourd'hui, on l'a écartée. Pourquoi? Parce qu'elle était d'origine esclave, afro-américaine. On l'a écartée. Mais malgré cela, aujourd'hui, on a deux sortes de citoyens. Des praticiens et des plébéiens. On a ça sur une nouvelle forme. C'est ce que nous allons considérer comme dans Marc 15, verset 21. Quand on parle de Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, nous allons considérer dans le droit romain différents types d'esclaves et aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, différents types de personnes aussi considérées comme des esclaves sous une nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle néo-esclavagisme ou encore la vie des Noirs contre. Regardez Hyde Nichols. Regardez le projet de loi de George Floyd qu'on va déposer au Congrès. Regardez l'attitude. Regarde l'attitude des cinq policiers bourreaux, cinq noirs afro-américains ont descendu un jeune, 22 ans. Time Nicole, qui plaide non coupable. Regardez aujourd'hui Derek Chauvin, l'assassin de George Floyd, qui plaide aujourd'hui non coupable pour réviser, malgré on a condamné ça, mais c'est sur le fait des médiatiques, de l'émotion des Black Lives Matter. Il demande pour reconsidérer ça aussi, selon la loi. La vie des Noirs compte sur chaque 10 personnes. 6 ou 8 noirs condamnés et assassinés par des policiers. Réditez-moi l'histoire. Mais c'est ce que nous allons vous dire. On a ça aussi depuis la société romaine. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous garde. Pour les autres parties.